Здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами новое стихотворение. Это стихотворение Жака Привера «Pour faire le portrait d'un Стихотворение сложное, буду читать его всего лишь два раза. Во второй раз буду уточнять моменты, на которые нужно обратить внимание. Здесь, в этом стихотворении, самая главная интонация. То есть, конечно же, у вас должны быть хорошие звуки, вы должны хорошо читать, но и еще нужно обращать внимание на интонацию. И давайте очень медленно, сейчас прочитаю в первый раз. Пандро d'abord une cage. avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre dans un jardin. Dans un bois ou dans une forêt, se cachait derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre, s'il faut, pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, Fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter si l'oiseau ne chante pas c'est mauvais signe signe que le tableau est mauvais mais s'il chante c'est bon signe signe

Вот иногда каких то идей, которые вот как будто бы только что пришли, и вот их нужно добавить. Вот это ощущение должно у нас сохраняться. Давайте сейчас я посмотрю с вами по моментам. Ну, смотрите, вначале достаточно все легко. Пэндру Даблорнкиаж, Аве порт Уверт. Здесь достаточно быстрый ритм. Я по две строчки произношу. Очень красивая позиция. Уверт, Кияж, обязательно мы произносим же очень четко. Дальше. Тут уже три строчки, даже четыре получается вместе. а quelque chose до joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Закончилось. Дальше, опять несколько строчек. Вот далее, идет. Placez ensuite la toile contre un arbre dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. И такая небольшая пауза. « se cacher derrière l'arbre ». et il se cacher derrière l'arbre. sans rien dire, sans bouger. Et de -il. parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. То есть три строчки вместе. То есть бывают такие, бывают такие случаи, когда птица долго не прилетает, несколько лет. И дальше совет такой. Не па садукураже. Не отчаивайтесь. Attendre. Ждите. Attendre, s'il faut pendant des années. Ждите, если нужно, то несколько лет. И потом опять добавление уже к тому, что было. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant Aucun avec la du то есть вот он говорит: не волнуйтесь, но вообще-то скорость или быстрость или медленность того, как птица прибудет, никак не влияет на то, будет ли хороша там картина или нет. И следующий этап: quand l'oiseau arrive, s'il arrive, когда птица прилетает, если она вообще прилетает, observer le plus profond silence, attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes, de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis... Attendre, de si de То есть, этот этап достаточно такой быстрый, но он один. Что нужно сделать, чтобы перейти к какому-то следующему шагу, к какому-то вот другому уровню? То есть мы уже нарисовали птицу, чтобы ей было комфортно, она уже вошла, она прилетела, а теперь нужно заставить ее петь. И вот следующий этап, si ne pas, если она не поет, сине это вот три строчки вместе. Дальше. Но если он синий, это хороший знак. вы можете снять. Две строчки и потом в конце. Итак, вы закрепляете очень медленно одну из пленок звука и вы пишете свой имя в один И вот, это И давайте ещё раз прочту всё. пообещал, конечно, прочесть вам uh, два раза, давайте третий, чтобы вы обратили внимание вот на эти вот моменты, про которые я сейчас говорила. Pour faire le portrait d'un oiseau par Jacques Prévert, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte, peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau, placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt, se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider ne pas se décourager attendre attendre s'il faut pendant des années la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'a aucun rapport avec la réussite du tableau quand l'oiseau arrive s'il arrive observez le plus profond silence attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré Fermer doucement la porte avec le pinceau, puis effacer un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. C'est tout.